Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à tester mes délicieux cookies aux praliné et amandes caramélisées. Allez, c'est parti pour une recette simple et rapide à faire. Je vais commencer par mixer 60 g d'amandes entières. J'évite de les mixer trop longtemps pour éviter qu'ils ne se transforment en poudre. Ensuite, je vais les caraméliser. Dans une poêle, je vais faire fondre 10 g de beurre, je verse les morceaux d'amandes, puis je les mélange bien avec le beurre. J'ajoute 35 g de sucre en poudre. Je vais laisser cuire mon mélange quelques minutes jusqu'à ce que mes amandes soient caramélisées. Ensuite, je les mets de côté, puis je vais passer à la préparation de la pâte. Dans un saladier, je verse 200 g de farine auquel j'ajoute 75 g de sucre en poudre, puis 25 g de sucre roux, ensuite une cuillère à soupe d'amandes en poudre, enfin une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. C'est une poudre très efficace pour faire gonfler les cookies. Voilà pour les ingrédients solides. Je mélange bien l'ensemble des poudres. Ensuite, j'ajoute deux œufs battus. J'ajoute à ma pâte 100 g de beurre ramolli. Lorsque tous mes ingrédients sont bien mélangés, j'ajoute les amandes caramélisées. Comme vous pouvez le constater, c'est une pâte assez collante. La pâte à cookies est prête. Je vais l'étaler sur une plaque à four recouverte de papier sulfurisé. Si vous n'arrivez pas trop à aplatir les cookies, ne vous inquiétez pas, ils s'étaleront à la cuisson. Une fois que les cookies sont formés, je vais placer les morceaux de chocolat au praliné. Je préfère les étaler ensuite et non pas les intégrer à la pâte, pour éviter que certains cookies aient plus de chocolat que d'autres. Mes cookies sont prêts à être enfournés à 170 degrés pendant 13 minutes. Et voilà mes cookies une fois cuits, avec des gros morceaux de chocolat. Mmh, ils sont vraiment trop bons. Allez, je vous laisse. Bon appétit à tous et à bientôt pour de nouvelles recettes.